Bonjour, je suis membre du club d'astronomie du Trégor. Là, on présente d'abord les deux plus intéressants, c'est les deux maquettes. La maquette Soleil-Terre-Lune qui permet de faire des simulations des saisons et simulations des phases de la Lune. Et au niveau de la maquette des constellations, les constellations qui sont visibles avec leur éclairage successif, leur éclairage façon de parler, hein, successif au cours des heures. Et ici, il y a le logiciel Stellarium sous ses différentes présentations, parce qu'il est multiplateforme et multi-support. Ici, c'est la version le logiciel, et sur le petit ordinateur, c'est la version web, qui permet d'éviter toute installation, ce qui est extrêmement simple, on va dire. Où il existe également sous version smartphone. Ben, cette machine, c'est une maquette dire pédagogique, c'est-à-dire pour expliquer en particulier aux enfants hein, comment fonctionnent les mouvements de la Terre autour du Soleil, les mouvements de la Lune autour de la Terre. La révolution, oui. C'est la révolution. Hein. Donc cette maquette est animée et il y a possibilité de pouvoir faire bouger évidemment la Terre sur elle-même. Comme ceci. Donc de montrer la révolution ici qui se fait en 23h56 minutes. Hein. Il y a possibilité également de faire tourner la Lune autour de la Terre avec les périodes ici de 27 jours,3. Hein. Et possibilité également de faire bouger la Terre autour du Soleil, cette fois-ci, et c'est la période qui correspond à une année. Ici, on prend une photo, on a un point central qui ne bouge pas, c'est l'étoile polaire, et en fait, c'est la direction en fait, ici de l'axe de la Terre. On voit que l'axe de la Terre, ici, forme un plan. Tu vois que c'est tout ça, c'est dessiné comme ceci, il y a un plan, hein, et si le Soleil et dans ce plan-là, ici, ça s'appelle des solstices, une position solstice. Et puis maintenant, tu vas la mettre perpendiculaire. Donc, tu soulèves un petit peu, soulève-la un tout petit peu, soulève un petit peu. Tu mets comme ceci, voilà. Hein. Ici, cette fois-ci, tu vois, le soleil est perpendiculaire au plan, hein, et on est en position d'équinoxe. Donc, ça veut dire équinoxe, ça veut dire égalité entre le jour et la nuit. Tandis que quand on est ici, solstice d'hiver, on a des jours qui sont courts et des nuits qui sont longues. Hein. Et quand c'est l'été, quand tu es en vacances l'été, on a des journées qui sont très longues, hein, et des nuits qui sont courtes. Cette maquette permet de faire plusieurs présentations. La première, c'est de montrer les étoiles brillantes. Alors la plus brillante, c'est Sirius. Dans le grand chien, les lignes guides. Alors, ici, il y a une constellation qui est connue par beaucoup de personnes, c'est la Grande Ourse. La Grande Ourse permet de repérer la Petite Ourse par l'intermédiaire de l'étoile polaire. Alors, il suffit de prendre la distance entre les deux étoiles du bord de la casserole et reporter 5 fois pour trouver l'étoile polaire. Ensuite, on peut prendre la queue de la Grande Ourse, la prolonger, on trouvera une étoile orangée très brillante, Arcturus. Et si on continue, on trouve Spica dans la Vierge. Ensuite, si on prend l'autre bord de la casserole, le lion par l'intermédiaire de l'étoile brillante Régulus. En prenant la diagonale de la casserole, on va trouver les Gémeaux avec Castor et Pollux, Procyon dans le petit chien et Sirius dans le grand chien. Dans cette zone-là, on va continuer la recherche. On va trouver Orion, le taureau, le cocher.
Cette figure est un hexagone, l'hexagone de l'hiver. Puis, trois étoiles très brillantes, Vega, Altaïr, Deneb, donc dans la lyre, l'aigle et le cygne, forment un triangle, le triangle de l'été, opposé. Ici, l'hexagone de l'hiver, le triangle de l'été. Le soleil actuellement est dans le scorpion. Le soleil va faire sa course pendant un an. Traverser le scorpion, le serpentaire, le sagittaire, le capricorne, le verseau, les poissons, le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion. Et je m'arrête là, car c'est très important de montrer les constellations par leur taille. Si on regarde bien, la traversée de la Vierge va être très longue pour le Soleil, plus d'un mois et demi avant de passer dans la Balance. Il faut savoir que la Balance est la dernière constellation du zodiaque à avoir été créée. En effet, avant la Balance, c'était les pinces du Scorpion. Puis on arrive dans le Scorpion et le Soleil ne met que 8 jours pour traverser le Scorpion. Un mois et demi ici, 8 jours là. Une grande différence, alors que les signes du zodiaque font exactement un mois. Bonjour, je suis médiatrice scientifique au Planétarium de Bretagne. Et donc pour la fête de la science, on propose un stand qui permet donc de découvrir un peu ce que l'on peut voir au Planétarium de Bretagne, mais en plus petit, en format stand. Et donc pour ça, on a ramené donc un projecteur qui va permettre de pouvoir observer un petit peu l'univers, le système solaire en particulier. Et donc on a ramené nos ordinateurs qui vont nous permettre donc de pouvoir faire ce voyage avec le public. Et en fait, avec notre logiciel au Planétarium, l'idée c'est de pouvoir faire des petits voyages à travers l'espace. Et donc pourquoi pas partir de Mercure et aller au niveau d'une planète qui est aussi proche de Mercure, qui est la planète Vénus. Et donc on peut faire ça avec notre logiciel, avec notre système au Planétarium et la planète Vénus qui s'affiche juste ici. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir justement montrer les différentes planètes de notre système solaire, faire un voyage à travers le système solaire et pouvoir tout simplement comprendre les différentes caractéristiques de tous les objets qu'on peut voir dans le système solaire, de notre unique étoile qui est le Soleil, des 8 planètes du système solaire, la définition de qu'est-ce que c'est qu'une planète. Parler aussi également de Pluton, pourquoi est-ce que en 2006 on s'est dit que Pluton ne ferait plus partie des planètes du système solaire. Alors ça ne veut pas dire que Pluton a disparu du système solaire, mais on a simplement ajouté une nouvelle catégorie que sont les planètes naines. En début d'année scolaire, là depuis septembre, il y a pas mal de choses qui se déroulent en astronomie, notamment la sonde DART qui s'est écrasée sur un astéroïde pour tenter de dévier cet astéroïde. Et donc on va aussi un petit peu en parler durant ce stand. Et puis pour terminer, on peut aussi parler des missions Artemis qui auraient dû débuter début septembre avec le lancement de la fusée SLS pour tester le module Orion. Et donc ces missions Artemis vont peut-être permettre d'ici ces prochains mois ou surtout prochaines années de ramener des humains sur la Lune. Donc voilà un peu tout ce que l'on peut parler au sein de ce stand. Bonjour, je suis André Gilloire, je suis président de l'association Observation Radio Pleumeur-Baudou et nous présentons cette année des posters sur l'observation de la galaxie en radio. Donc notre galaxie, c'est le grand ensemble d'étoiles dans lequel se situe le Soleil et dans lequel nous sommes immergés. Et grâce aux ondes radio, on peut observer les mouvements de cette galaxie et en particulier son mouvement de rotation, sur lequel on observe des courbes de comportement qui s'écartent de la loi de mouvement des planètes ou de mouvement des objets dans l'espace, car il y a de la masse cachée dans la galaxie, qui est la fameuse matière noire. Donc ces observations montrent qu'on peut détecter la matière noire de cette façon. Alors sur ce stand, nous présentons également des petites expériences sur les ondes électromagnétiques, qui sont en fait de même nature que la lumière.
Et par exemple, la petite manip qui est là montre comment les ondes radio, donc ce sont des micro-ondes, sont absorbées, sont réfléchies ou se propagent et sont polarisées, par exemple, exactement comme la lumière. Ceci souligne la parenté entre la lumière et les ondes électromagnétiques. Et donc on observe l'univers non seulement dans le visible, mais également dans le domaine radio et aussi dans le domaine infrarouge, dans le domaine ultraviolet, etc. Enfin, bien sûr, ce sont les astronomes professionnels qui font ça avec des observatoires qui sont souvent des observatoires spatiaux, c'est-à-dire des sondes envoyées dans l'espace.